C'est mieux. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pour un petit jeu iPhone. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit jeu iPhone. Et celui-là mérite vraiment, vraiment, vraiment le détour. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous mets de toute façon, il y aura le titre de la vidéo et vous verrez comment il s'appelle. Alors, c'est un jeu pour ceux qui aiment les longues, ceux qui en ont des longues et des dures. On va la refaire. Rival Knight, ouais, c'est ça. Un petit café. Salut à toutes et à tous, amis chevaliers. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de jeu iPhone et il y a un jeu iPhone qui vient de sortir qui s'appelle Rival Knight, qui est totalement gratuit et qui mérite vraiment le détour parce qu'il est simple à jouer, il est addictif et si vous aimez ce genre de jeu, je pense que vous passerez un sacré bon moment dessus. Mais un très très bon moment dessus. Alors, c'est un jeu de joute. Si vous ne savez pas ce que c'est les joutes, c'est ceux qui aiment en avoir des longues et des bien dures. Et c'était très très populaire au Moyen Âge. Non, pas Moyen Âge, mais c'était quoi? 12e, 13e siècle, hein, par là, je me trompe pas trop. Hein? Moyen Âge, voilà, c'était très populaire au Moyen Âge. Comment ça se passe? Ça se passe comme un Candy Crush au niveau des niveaux. Et là, en fait, je suis au deuxième boss. Je suis au deuxième boss de la Ligue de la Rose. La Ligue de la Rose. Je suis au troisième boss de la Ligue de la Rose. Vous allez voir comment ça va se passer. Alors, il y a un petit scénario qui se met en place. Ah, hors de ma vue, maroufle, je suis pas intéressé, vous m'entendez? Sir Alexandre Lovecraft, troisième champion de la rose. Oh, délicieuse beauté, vos froides paroles sont comme de lances de givre, transperçant mon cœur. Pourquoi ne pas donner une chance à l'amour? Avec vous, je préférerais encore me crever les yeux. Qui va là? Donc là, c'est moi qui arrive. Ah, Psycho, un adversaire de taille peut-être, splendide. Je vous vaincrai à la loyale et conquérirai le cœur de cette jante dame à la force de mon bras. Donc on va l'affronter. Alors comment que se fait ce que se fasse-t-il? Psycho versus Sir Alexandre Lovecraft. C'est hyper beau. C'est super beau, ça rend super bien. Franchement, on est pas loin d'un jeu Xbox One, quoi. C'est vraiment super, super, super beau. Je vais vous faire un combat comme ça dans la foulée et de toute façon, vous allez comprendre vous-même qu'est-ce qui se passe. Et je vous expliquerai les petits détails lors des prochains combats, tout simplement. Alors, je me concentre parce que c'est un jeu au timing parfait de la précision au précis. Il faut l'épée de l'extrême zéro pour y arriver. Oh, je crois que j'ai fait un coup parfait. Parfait, ouais, c'est hyper dur de faire un coup parfait. Ah, c'est en deux victoires. Alors, comment se passe-t-il? Est-ce que je peux... Ouais, super, ça va patienter. Vous voyez le... En fait, on a trois skills différents. On a la défense, la vitesse du cheval et l'attaque. Là, comme vous pouvez voir, le bouclier est en rouge, ça veut dire que j'ai une défense beaucoup plus faible que mon adversaire. Par contre, mon cheval est beaucoup plus rapide et ma lance est beaucoup, beaucoup plus forte. Les boosts ne servent à rien, c'est vraiment pour augmenter vos statistiques temporairement pour le match, ça ne sert à rien. Et tout se joue avec un seul doigt. Donc, pour faire le départ parfait, il faut appuyer sur l'écran au bon moment. Départ parfait. Après, il faut appuyer sur l'écran au moment où on touche le vert. Comme vous pouvez le voir, quand je suis en parfait, je gagne 2 km/h 2 sur mon cheval. Quand je suis en excellent, 1 km/h 3. Et là, il y a juste à viser. Là, il y a juste à viser. Si deux compétences sont supérieures à l'adversaire, on gagne le match. C'est-à-dire que si mon attaque et ma défense est supérieure, je gagne le match. Là, vous voyez, par exemple, il n'y a que l'adversaire a eu plus de défense. Mais par contre, je l'ai battu au niveau vitesse et je l'ai battu au niveau attaque. Voilà. Je peux aller jusqu'à 161 d'attaque, lui il pouvait aller que jusqu'à 98. J'ai une très très bonne lance. Du dieu! Mon panache, espèce de brute! Regardez ce que vous avez fait à mon magnifique panache. Ça va être son cheval. Je crois. Eh bien, je dois avouer que j'ai bien aimé vous voir rosser cet imbécile. Peut-être ai-je jugé un peu trop vite ce sport. Quoi qu'il en soit, je dois vous remercier de l'avoir congédié. Vous semblez quelqu'un d'honnête. Peut-être que nous nous reverrons. J'ai gagné des games. Alors c'est tous les jeux, comme tous les jeux gratuits, il y a un système de game pour acheter des équipements si on n'a pas envie d'économiser ou tout simplement. Alors mon emblème, je veux pas le changer, je veux que ça reste le même. Il est où mon emblème? C'est celui-là mon emblème.
Oui, tu vois. Voilà, c'est ça mon emblème. Je veux pas qu'il... Voilà. Et donc, comment ça se passe en bas? Donc, on a les achats, les homes. En ce moment, j'ai le Home Nogai. Et ce qui est génial, c'est que on peut soit acheter d'autres homes, soit améliorer son home. Là, si je l'améliore, je gagne plus 1 en défense. C'est pas énorme. Voilà. Les chevaux, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps du tout. Voilà, j'ai économisé, j'ai acheté un cheval qui roule à 23 km à l'heure. Au tout début, on commençait avec un cheval qui avait 13 km à l'heure. Et ce que je voulais, tout simplement, ça c'est la toute première armure, donc je suis très faible en défense. Parce que celle-là elle est magnifique, mais elle coûte 25 diamants, ça m'intéresse pas. Et c'est celle-là, non c'est pas celle-là, celle-là, je la trouve magnifique, mais elle est bloquée. Alors quand elle est bloquée, ça veut dire qu'elle sera débloquée quand on avance dans le scénario. Donc j'économise pour pouvoir me l'acheter tout de suite dès qu'elle sera débloquée. On va continuer de jouer. Donc là c'est un affrontement, c'est un tournoi, il faut gagner 3 fois de suite. Bon bah on y va, on va gagner 3 fois de suite. Hein. Contre le baron Amat. Ça va, c'est surtout la défense qui pêche, mais le reste ça va. Trop tard. Il est vraiment. Il y a un timing vachement étrange pour avoir le départ parfait. Faut limite le faire au milieu du 1. Oh, ça doit faire mal! Ça doit faire trop mal! Ils avaient vraiment des jeux de fous à l'époque. Avec la lance que j'ai achetée, je pense que je suis un peu trop haut level par rapport à là où j'en suis en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un mode multi d'ailleurs. Avec un espèce de tournoi aussi. Et on gagne pas mal d'argent donc c'est grâce. Mais non, grâce à ça que j'ai pu acheter un équipement assez fort. Et du coup, je suis beaucoup plus fort que ce que le solo m'impose. Mais bon, à mon avis, comme tous les jeux gratuits, c'est relativement facile vers le début. Et après, c'est juste horriblement difficile. On va finir le tournoi, j'aimerais vraiment débloquer l'armure. Seigneur Nguyen. Il y avait des Vietnamiens à l'époque qui faisaient de la joute. Ah, c'est vraiment au milieu du 1 pour avoir le départ parfait. Et si on fait un départ parfait, une vitesse parfaite et un coup parfait, on arrive en. Oh, il a volé. On arrive en mode coup critique et là on a des bonus de dégâts de défense et de vitesse. Défi médaille. Oh, c'est dur les défis médailles. Chevalier Cassius dit que vous êtes aussi lent qu'une génisse boiteuse. Vous n'allez pas vous laisser vous insulter ainsi, pas vrai? Oh, si c'est faut atteindre la vitesse maxi, ça va être nickel. Départ parfait, bon ça va, faut que juste que je me concentre. Voilà, tranquille. Allez, en petite vitesse parfaite. Alors certes, c'est hyper répétitif, mais graphiquement c'est génial. Oh oui, coup parfait. Je crois que j'ai la totale là. Je crois que j'ai la totale. Ouais, j'ai la totale. Vitesse max, départ parfait, coup parfait. Critique, voilà. Je suis passé à 169 d'attaque au lieu de 161, 24 km/h et 106. Voilà, je suis allé au-dessus de ma limite. Boost de défense, je m'en fous royal. Ah, là c'est pour débloquer un cheval. Ah non, c'est sponsorisé. Et ça, c'est l'entraînement. Ok, hey sire, voilà votre équipement pour la joute. Bonne chance. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, des fois on a des événements sponsorisés, on peut voir à peu près à quoi ressemblent d'autres équipements, et ça, c'est cool. D'accord, j'ai juste le cheval qui est très bon, le reste est pas bien. Donc comme c'est des combats à poser, c'est très dur. Donc faut... Oh merde! Si je... Oh là! C'est quoi ce cheval? Oh je l'ai eu! Oh ça doit tenir à pas grand-chose. Oh, un point en défense. Oh, 4 points, eh, heureusement, 4 points, 4 points de différence en attaque. C'était juste hein, pour perdre. À 4 points près, je sais pas si vous regardez, c'est 0,001 mm souvent. Donc le palefrog gris pommelé, et putain, il roule à 26 à l'heure.
Ah, par contre, il a une petite charge. Les chevaux ont des charges différentes. C'est-à-dire que voilà, lui, c'est un cheval très rapide, mais par contre, il peut pas porter de trucs trop lourds. C'est-à-dire que ma lance que j'ai achetée, la lance lourde, qui est très puissante, je pourrais pas la prendre si j'achète ce cheval. Donc voilà, ça pose un petit problème. Roi de la colline, ok. Bah, de toute façon, je peux faire encore un match et puis après, je vais vous montrer le multi. C'est basé sur les jeux gratuits. On a des énergies en fait qui se renouvellent toutes les 3-4 minutes. Donc j'aime bien ce genre de jeu parce que ça évite de. Comment dire? Ça évite de spammer le jeu pendant toute une journée, pendant 2 jours et d'être complètement lassé très rapidement. Surtout que c'est un jeu ultra répétitif. Là, on fait des petites sessions de. Salut mon cœur! Là, on fait des petites sessions de 20-30 minutes. On fait des petites sessions de 20-30 minutes et voilà, c'est agréable. Ça permet de faire durer le jeu sur la durée. Et c'est vraiment agréable. Là. Et donc le mode multi, donc on a des événements. On a un tournoi à échelon où il faut payer 10 diamants. On en gagne de temps en temps des diamants. Bon là j'ai 10 diamants, peut-être que j'y participerai un jour. Pour l'instant j'ai envie d'avoir un bon équipement avant de participer là-dedans. Et on a le festin de la Saint-Beau. Tous les 24 heures, 48 heures. Ça dépend, voilà, lui il dure 1 jour et 7 heures, donc il dure 30 heures en fait le truc. Et tous les jours quasiment, on a un nouveau tournoi et le but du jeu c'est de jouer le plus souvent possible. Voilà, le premier gagne un casque, qui doit être super puissant le casque. Home lombard lourd. Et donc jusqu'à la 50e place. La 50e place est relativement facile à atteindre. Ou juste jouer. Et donc là on suffit de se battre. Plus on enchaîne de victoires. Et plus on va affronter des. Alors tout ça c'est des vrais joueurs. Plus on va enchaîner de victoires et plus on va tomber sur des joueurs puissants et donc plus ça rapporte de points pour la victoire. Super, si je commence comme ça va être super. Merde! Ah la haine! Et là évidemment c'est beaucoup plus dur qu'en solo. Pour 0,1 km/h. 0,1 km/h, j'ai perdu. Si ça, c'est pas les boules. Oh la vache. Voilà, faut vraiment, vraiment être concentré sur son cheval, quoi. D'accord, lui. Ah, lui, il a très, très peu de défense. Bon, au moins, je suis tranquille. Il faut juste que je gère le cheval. Voilà, déjà ça. Des fois ils volent les chevaliers, c'est juste énorme. C'est juste énormissime. Oh, je vais péter sa race. Voilà, et là on gagne pas mal d'argent aussi. Vous avez vu, j'ai gagné 200 pièces. Allez, on va faire les 4 combats qui me restent et on se quittera là-dessus. J'espère que ce jeu vous aura plu, vous aura donné envie. Il est totalement gratuit donc essayez-le tout simplement. Il est vraiment fandard, vraiment, vraiment fandard. Oh putain, j'ai l'impression d'avoir un shootgun à la place de la joute. Et quand on a un départ parfait, tout ça, on a des bonus de pièces aussi, donc c'est bien. Vous voyez, je suis 56e. Bon, le tournoi, à mon avis, vient juste de démarrer, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû jouer dessus. Merde. On peut se demander en allié aussi, mais je sais pas du tout à quoi ça sert de se demander en allié. Est-ce que ça rapporte de l'énergie ou des trucs comme ça? Oh putain, je suis mal, je suis mal, je suis mal, mal. Oh là là, je me suis fait péter la gueule. Je l'ai super mal joué. Oui, n'empêche, tout à l'heure j'étais à plus 15, là je suis redescendu à plus 10. D'accord, lui il est mort. Même si je rate tout, je gagne. Pas normalement. Hein. Voilà, j'ai pas pu jouer comme ça avec l'autre. J'ai pas pu jouer comme ça avec l'autre tout à l'heure, putain. Des fois j'ai réussi à battre des gens qui étaient beaucoup plus puissants que moi. Parce que j'ai réussi le coup critique et tout. J'étais j'étais super content, c'est sûr. Et encore un coup. Et encore un coup.
Mais non. Mais non, oh là là. C'est bon, heureusement qu'il était faible, hein, la vache. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à attendre en fait que ça remonte. Voilà, ça remonte de voilà toutes les 2 minutes, à mon avis, on a de l'énergie. À peu près toutes les 2 ou 3 minutes, on a de l'énergie. Voilà, c'est un jeu que je vous conseille vraiment de tester, qu'il est vraiment très agréable et très très. Mais tu vois, pourrait y être. Ah oui, ouais, genre je peux améliorer mon cheval. Remarque, 2000 pièces pour améliorer le cheval, pour gagner 1 km/h. Ouais, allez, on va l'améliorer. Sur ce, on se retrouve pour d'autres nouvelles aventures. J'arrive plus à parler, je suis un peu fatigué. Moi, j'aime boire mon café qui a dû refroidir depuis. Et puis voilà, bisous les amis.